Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je m'en vais à Paris pour rejoindre mon amie Kira. Donc j'ai trop hâte parce que ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu. Allez, c'est parti. Hello. Yo, what's up? This is Teddy. C'est quoi le plus rapide? Vas-y, c'est parti. Le plus rapide, c'est le plus hard. Hein. Ah, oh, c'est beau là! Je suis bien! C'est bon ton bao là? Alors, actuellement, nous nous dirigeons à Montmartre pour observer le coucher du soleil qui est déjà couché. C'est un peu tard là. Un petit peu, c'est pas grave. Ce matin, on a travaillé. J'allais dire, il est 14h. Est-ce qu'on peut s'applaudir ou pas? Oui. Voilà. Mais en fait, on avait dit qu'on faisait ça, on l'a pas du tout fait. On l'a pas fait. C'est quand elle était venue en vert. On s'est posé le soir dans le lit. On s'est plus jamais relevé. Là, du coup, on va. On va aller faire une chambre de au Concorde ou chez toi? Alors, on va au Louvre. Ouais. Après, à Concorde. Ouais. Après, sur les chambres. On va aller au Trocadéro. On l'a tout fait. C'est parfait, c'est ce qu'on aime. Donc, par contre, le Simba de ma pote, il est bien gentil, mais ah, c'est pas marché. En fait, il rentre pas dans mon sac, regarde. Je vais mettre comme ça. Ah, oh, il va être trop chou comme ça. Voilà. J'aime. Il est trop chou, je trouve. C'est trop gentil de sa part quand même. Elimundo, j'en peux plus. Tanina, tu chantes autour de trois chansons depuis ce matin. Mais tu sais que cet aspirateur, il faut pas être claustro, hein. Cet aspirateur. Ah ouais, les aspirateurs, en général, il faut pas être claustro, hein. Pas du tout. On dirait une mouche. Toi, ça te va bien. Tanina, j'ai attrapé un coup de soleil. Voilà, en plus j'ai failli te dire, viens, on met de la crème solaire, Kiara. Enfin, je l'ai prise, hein. Et je me suis dit, non, mais regarde. Il fait vraiment chaud, on dirait. Je pense que là, il y a ressenti 30 degrés. Je sais pas, mais il fait chaud. Actuellement, en train de crever sous cette chaleur. Moins pire qu'hier soir. Ouais, 2h du matin quand on se racontait nos vies parce que personne n'arrivait à dormir. Elle s'est endormie avant 1h du matin, genre vers minuit 30. Je m'endors légèrement vers 1h du matin et là on se lève toutes les deux à 2h19. On se commence à se raconter notre vie. Mais comme si c'était pas le milieu de la nuit. Hein. Exactement, il était genre 8h du matin dans nos têtes. Et après, attendez, elle s'est rendormie au calme. Et moi j'étais là comme une gogo jusqu'à 4h du matin sur mon téléphone en train de, voilà, en train de tout faire sauf dormir. Sauf dormir, voilà. Mais, we like it. Après, nous avons travaillé. Ouais, on a travaillé toute la matinée. Moi, je trouve ça moche, la tour Eiffel. Vraiment ?
passé ? Une journée fort amusante dans la ville qui ne dort pas. C'est vrai, ça dort. Ça dort sauf dans le quartier de Cara où ils font des courses poursuites à 2h du mat. On te dérange pas? Non du tout. Eh, hey, j'ai pas un coup de soleil. Alors Kiara, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Je dois tout redire. Non. J'ai cru que j'allais devoir tout répéter. Alors ce matin, j'ai senti la crainte en toi. Je suis même pas capable de répéter moi perso hein. Vas-y, essaye Tania. Tania, on a fait quoi aujourd'hui? Alors, putain, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? It was at this moment that he knew. He fucked up. Tu forces! La tête de ma mère, attends. Ah, on a été au Louvre, non? Ce matin, on a révisé. La meuf, tu lui organises un truc. Un pur voyage, elle rappelle même plus. Alors, c'était genre, il y a genre 10h, tu vois. Du coup, ce soir, on s'est posé dans un resto. Ça s'appelle Hanoi Café, non? Genre trop bon, je crois que c'est un restaurant vietnamien, non? Ouais, hyper bon. Il fait 28 degrés dans la chambre de Kiara. Genre c'est horrible. Rester ici, c'est un sauna. Sur ce, à demain. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va, c'est parti. Alors actuellement, nous nous rendons à une exposition. Et j'ai pas le droit de savoir ce que c'est. Bon résumé. Voilà. C'est à la Villette. Il pleut viote, voilà, c'est l'expression. Bon, bah, papa, s'il vous plaît. Merci. 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 J'aime trop. Pourquoi on appelle ça une barbe à papa? Je sais pas du tout. Là-bas, j'ai très très peur. Je sais pas ce qui va se passer là. Kara me dit les enfants ils vont crier, alors moi je vais crier avec. C'est trop cool parce que c'est pas fini. Chez moi.
le château de le château gonflable que je viens de vous montrer. On n'en peut plus. On est resté combien de temps, je pense 10 minutes, non? Je sais pas, moins peut-être. Non, abuse pas quand même. On a sauté. Mais vraiment, c'était fou, la chaleur et tout dedans. On pouvait pas filmer. Mais ouais, c'était stylé en vrai. Bon, du coup, là, on a réservé des billets pour aller au théâtre. Est-ce que vous sentez la flemme en elle? Alors, c'est une très bonne question, mais je sens que tu vas vite y répondre. Ah, merci, bonne soirée. Nous voilà avec nos deux tickets pour aller au théâtre, pour aller voir les pour aller voir les ladies improvises. Bon bah voilà, on est rentré. Là il est 21h, franchement le théâtre c'était super drôle, on a grave rigolé pendant une heure. Là il est 21h, du coup on va aller se faire à manger, on va se poser tranquillement et on va se reposer parce qu'on est éclaté. With you, I'm not sure where I'm going to, but I have to leave.